Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 30 mars. Puis là, il est environ 10h. Ouais. 9h54. ce matin, ben, je pense que j'en ai parlé hier, mais on a switché l'horaire de sommeil à mon chum. Donc, ce matin, c'est lui qui a géré le lever de Lionel. Parce que c'est chaud. Oui, c'est chaud. Ouais, fait que moi, je me suis levée vers 9h ce matin, ça a vraiment fait du bien, c'est vraiment plaisant. Fait que c'est ça, moi je me suis levée vers 9h, Ludo, lui, il est allé se coucher, puis là je viens de faire une recette de biscuits avec Lionel, parce qu'en fait la dernière fois que mon chum est allé faire l'épicerie la semaine passée, il restait plus aucune farine, d'ailleurs hier non plus il en restait plus. Sauf de la farine de sarrasin. Fait qu'il avait acheté de la farine de sarrasin. Puis, dans le fond, moi, je voulais essayer de faire une coupe de petites recettes avec Lionel pour faire un petit passe-temps. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché sur Pinterest pour des recettes de petites gâteries. Excusez, mon enfant est un peu énervé. De petites gâteries, genre des biscuits, des brownies, des choses comme ça, avec la farine de sarrasin. Donc, ce matin, j'ai fait des biscuits avec Yo. Là, la pâte est en train de refroidir. Fait que je pourrais vous laisser la recette en barre d'informations si c'est bon. Puis là, c'est ça, on est dans le sous-sol qui est extrêmement bordélique. Je me suis fait mon petit café. Puis là, on va s'amuser un petit peu. Ça tombe vraiment bien, par exemple, parce que c'est minimum une heure de qu'il faut que ça refroidisse au frigo. Fait que je pense qu'il va avoir comme des biscuits frais faits pour son dîner. Fait que ça tombe vraiment très très bien. Oh, Seigneur, il a foutu le bordel. Ouais, ce matin, il s'est vraiment très bien amusé avec papa. Je vais pouvoir vous entendre au travers de mon sommeil. Fait que je sais qu'ils ont joué à la cachette. Ils ont joué au bébé. Mais c'est ça, Léo, il a vraiment viré le sous-sol à l'envers. Sauf que c'est tellement moins grave. Tu sais, c'est pas genre notre espace de vie principal, fait que c'est beaucoup moins agressant que quand il faisait ça. À boire! Ouf, ouf! Ouais, c'est beaucoup moins agressant que quand il faisait comme tout virer à l'envers, mais dans le salon en haut. T'sais, moi, quand j'étais jeune, ici, c'était notre espace de jeu, à moi puis mon frère. Fait que je suis comme vraiment... Je suis dans mes habitudes, là. Ça va bien. Ouais. Comment ça va, toi? Que tu dis bonjour? Dis bonjour! C'est qui ça? C'est les amis? Ouais. C'est les amis. Et hier, finalement, je me suis pas lavé les cheveux. C'est vraiment dégueulasse. Je m'excuse profondément, là. Mais je me suis dit que je pouvais t'offrir comme une autre journée, hein? Je peux t'offrir une autre journée. Parce que, tu sais, mes poings sont vraiment sèches. C'est vraiment mes racines qui font super pitié, là. Bon, fait que là, oh, Flore, je me relève, j'ai mis mon café en hauteur. Ah non. Ça va-tu, Lionel? T'as-tu envie de pipi ou de caca? Non. Baisse tes pantalons. Attends, non. Mon loup. Attends, on va dîner ensuite, mais on commence par faire les biscuits. Est-ce que tu t'élèves debout? Attends. Oui, attends un petit peu. Attends.
Tiens, mon loup. On en met un ici. Un ici. Je vais te donner un autre. Un autre ici. Tiens-le avec ta main. Un petit peu. Un petit peu, comme ça. Bravo! Ici. Un petit peu, on le laisse là. Ouais. Bravo! Monsieur Patate. Tu veux-tu aller prendre ton bain, mon homme? C'est une salade, c'est pas un piochot.
Après, il va aller préparer le bain. Puis tu viens, dans 2 minutes, tu viens en haut. OK? Kenio? Il est concentré. J'ai peur qu'il se réveille parce qu'il a faim cette nuit. Il a pas mangé beaucoup? Kenio? Mais non, la toast, là. Ouais. La toast, c'était parce qu'il a pas voulu manger le repas. Ah, oh, ouais. Je sors de la douche, puis je me suis dit que j'allais vous faire comme un petit topo des soins que je me fais ce soir. Fait que premièrement, j'ai mis sur le haut de mon corps ça ici. Oh belle, allez-vous le voir? Il y a comme un drôle de reflet, hein? Mais c'est l'auto-bronzant That's So Sun Makeup, puis c'est le Dark. Il est en vente, comme annoncé, chez Concept C-Shop. Moi, c'est là que je l'ai pris. Aussi, chez Les Précieuses. Je sais aussi qu'ils l'ont chez Eleganza. En tout cas, c'est une couple de places que vous pouvez vous le procurer. Fait que j'ai mis ça sur le haut de mon corps. Puis tantôt, je vais le mettre dans mon visage. Mais là, j'ai fait un masque. Fait que j'ai celui-là pour le visage. Fait que c'est le Umbrian Clay de Fresh. C'est une barre. Puis, ce que tu fais, c'est que tu mouilles ton visage. Puis, tu mouilles la barre aussi. Puis, tu fais comme l'appliquer sur ton visage. Tu le laisses sécher. Puis, ensuite, tu peux nettoyer ton visage. Fait que c'est ce que je suis en train de faire. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon tonique. Qui est le Tarte Knockout, comme ça. Fait que je vais le mettre avec un petit coton, comme ça, ici. Fait que je vais appliquer mon tonique. Ensuite, je vais mettre, caché derrière vous, le Advanced Night Repair de chez Estée Lauder. Fait que je vais mettre ça. Je vais me mettre une crème hydratante. Qui est celle-là, ici. Ma Fresh rose. Puis ensuite, quand que ça va avoir resté sur mon visage pour un petit moment, je vais venir me mettre l'auto-bronzant sur mon visage également. L'auto-bronzant, il sent vraiment bon. Genre en ce moment, ça sent super bon. Fait que c'est positif. Parce que souvent, des auto-bronzants, ça pue même quand tu le mets, mais celui-là, il sent bon. Fait que c'est ça que je fais ce soir. Bon, je viens de passer une fin de soirée plutôt occupée. J'ai fait le montage de mon vlog d'hier. Là, je suis en train de l'exporter. Fait que demain, je vais pouvoir préparer la mise en ligne. Après ça, j'ai travaillé un petit peu dans mes affaires de coaching. Puis, j'ai plié du linge. J'ai rangé du linge. Et j'ai écouté CSI. Là, c'est l'heure que j'aille démêler mes cheveux, je vais mettre mon auto-bronzant dans mon visage et je m'en vais me coucher. Je suis complètement vidée. Alors, je vais vous dire un beau gros merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé une belle journée ou une belle nuit. Puis on va se revoir bientôt. Bye!